Personnellement, je ne l'ai pas eu. Je ne suis pas convaincu que parmi les amis et les collègues qui sont avec moi autour de cette table, il y a eu quelqu'un qui a eu cette chance. Alors, je ne sais pas si vous, les journalistes, vous avez eu cette possibilité, mais voilà la situation totalement ubuesque d'un pays où on nous déclare qu'une loi a été votée en deuxième lecture, une loi a été promulguée le 6. Aujourd'hui, on est le 15, donc ça fait pratiquement une dizaine de jours, et nous sommes toujours dans cette opacité. C'est un véritable flou artistique, et tous ceux à qui vous vous adressez et qui vous posent la question « mais où est le document ?», quand vous leur dites cela, ils n'en reviennent pas. Tout le monde tombe des nues, on a le sentiment que c'est seulement dans ce pays que les choses comme ça peuvent survenir. Donc c'est la manifestation pour nous d'un véritable mépris à l'endroit du peuple togolais. C'est les qualificatifs, on pourrait les enchaîner. Mais voilà un pays où on peut décider de nous octroyer, de nous imposer une loi fondamentale, un nouveau contrat social, sans nous consulter, et même une fois qu'on l'a promulgué, sans nous en livrer le contenu. C'est inadmissible, c'est inacceptable. Et cela dénote tout simplement du caractère dictatorial de ce régime. Ce n'était pas une question. Et chaque peuple doit tout mettre en œuvre pour obtenir cette liberté. Et je crois que le peuple togolais ne peut pas faire l'économie de sa propre lutte. Le peuple togolais ne peut pas se dire « j'ai suffisamment souffert, je préfère rester maintenant cloîtré dans ma maison, dans mes zones, mes différentes zones de confort, en espérant que la communauté internationale ou les institutions internationales ou la CEDEAO, voilà, ces différentes institutions vont s'occuper d'obtenir la liberté et d'obtenir ma dignité. La CEDEAO, bien sûr qu'elle doit faire partie des éléments de plaidoyer, puisque pour ce qui est de la lutte, vous savez qu'elle comporte plusieurs volets et le plaidoyer est un volet important. Il faut pouvoir mettre la CEDEAO devant ses incohérences. La société civile n'a pas manqué de le faire à chaque fois que c'était nécessaire. Souvenez-vous de cette mission d'observation qui avait été envoyée par la CEDEAO avant les élections législatives, avec un double objectif, je dirais, ou une volte-face, que nous avions qualifié de volte-face dangereuse, une première lettre de mission qui disait quelque chose, et le lendemain, une autre lettre de mission avec un autre objectif totalement différent. Donc ce sont des éléments qui démontrent que le plus important de notre point de vue, c'est que le peuple togolais décide de tout mettre en œuvre pour recouvrer sa souveraineté. Si, Dieu faisant, des institutions, la communauté internationale, d'autres entités comprennent la nécessité de soutenir le peuple togolais dans son combat, c'est une bonne chose. Mais il ne faut certainement pas s'arrêter en se disant il faut qu'on espère que ce soit les autres, que ce soit la CEDEAO qui vienne faire le combat à notre place. Ensuite, pour ce qui concerne votre question, pour nous, aujourd'hui, le combat n'est plus le combat d'une maison politique, d'une entité quelconque. C'est la société dans sa globalité qui a été méprisée par le pouvoir.
Il revient donc à la société dans sa globalité. Il revient aux citoyens. Et quand on dit citoyens, pour nous, les hommes ou les femmes politiques sont des citoyens. Et donc, le moment est venu vraiment pour que l'ensemble de la citoyenneté togolaise prenne ses responsabilités et fasse barrage à ce qui est en train de survenir ou d'advenir dans notre pays. Et donc, quand je parle de l'ensemble de la citoyenneté, c'est qu'on fait tomber toutes les cloisons. Il n'y a plus de cloisonnement. Nous voulons qu'à un moment donné, nous l'avons dit dans cette déclaration, nous espérons que bientôt il sera possible d'organiser de très grandes manifestations dans les rues où on verra l'ensemble des citoyens. Ça peut être des organisations de la société civile, ça peut être des responsables, des membres de partis politiques, tous unis, sans aucune bannière politique, tous unis pour aller faire face à ce qui est en train de survenir et qui est un coup d'État constitutionnel, un coup d'État contre la nation togolaise. La dernière question, c'était...